Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la présentation de cet oracle que j'ai reçu aux éditions Guitry Daniel. En fait, j'en ai reçu deux. L'autre s'intitule « Oracle sans blabla » que voici, de Pauline Vernet. Je vous en ferai la review très prochainement. Alors ici, je vais vous parler de l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Il y a 77 cartes pour les reconnaître et s'en libérer. Anna Sandrea est thérapeute, coach et intuitive spécialisée dans la guérison et les blessures émotionnelles. Alors je vais vous lire le dos de ce coffret. Colère, tristesse, mal-être. Il arrive parfois que les émotions négatives nous envahissent sans que l'on comprenne pourquoi. Ces sentiments sont les conséquences de nos blessures d'enfance. Rejet, abandon, humiliation, trahison ou injustice, pour les cinq principales. Ce coffret a été conçu pour vous aider à reconnaître les blessures qui vous empêchent de vivre pleinement et en comprendre les conséquences dans votre vie actuelle. Pourquoi elles vous affectent tant et surtout vous aurez un ensemble d'outils pour les guérir afin de vous reconnecter à votre être véritable. Vous découvrirez ainsi les 14 cartes, exercices pour suivre étape par étape le processus complet de guérison de vos blessures. Et les 63 cartes ressources qui contiennent chacune un message qui vient à vous à travers une image, une phrase et qui vous touchera de manière unique. Car votre propre histoire imprégnera les cartes de façon totalement singulière. Laissez votre enfant intérieur jouer au jeu de la guérison. Anna Sandrea, thérapeute et coach intuitif, est notamment l'auteur du livre « Guérir de ses blessures émotionnelles » paru chez le même éditeur. Avec ce coffret, Anna souhaite vous aider à poursuivre ce travail de guérison, mais de manière plus instinctive, plus visuelle, plus spirituelle. Et sa fille, Alicia, est l'artiste qui a réalisé les magnifiques illustrations de ses cartes. Alors, je voulais vous dire aussi que Anna Sandrea, elle est aussi l'auteur du livre « Êtes-vous votre pire ennemi ?» et elle a également un blog qui s'intitule « Maître de ta vie ». Donc ce coffret est à 24 euros. Alors ce coffret se présente ainsi, comme chaque coffret, vous avez le petit livret d'accompagnement et le jeu de cartes emballé dans un magnifique pochon doré. Que je vous présenterai juste après. Là, on va parler du petit livret. Alors, ici, nous avons le sommaire. Alors, vous avez la partie 1 qui sont les cartes d'exercice pour comprendre et guérir ses blessures. Vous avez 14 étapes. Et la partie 2 est consacrée aux cartes ressources. Alors, ensuite, ici, vous avez avant-propos, c'est un petit mot de l'auteur que je vous laisserai lire si vous achetez ce jeu. L'introduction. Alors, les cartes de ce livre d'accompagnement ont été conçues pour poursuivre jour après jour le travail de guérison des blessures émotionnelles. Rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice, pour les cinq principales. L'aspect ludique des cartes est un point important à mes yeux, car cela permet de prendre du recul sur la gravité de nos blessures. Que sont les blessures émotionnelles, pardon. Le concept des cinq blessures de l'âme, rejet, l'abandon, trahison, l'humiliation, injustice, a initialement été mis en lumière dans les travaux de recherche du psychiatre américain John Pierakos, qui lui-même s'était inspiré de William Rehn, médecin, psychiatre et psychanalyste autrichien. Lise Bourdeau a, par la suite, fait connaître ce concept à plus grande échelle. Pierakos a été le premier à les identifier et les répertorier, les observer et surtout à faire le lien très important entre les blessures intérieures et l'apparence de l'humain. Voilà, je vous laisserai lire le reste. Donc ici, nous avons la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, l'humiliation, la trahison, la blessure de l'injustice. Et ensuite, elle nous dit « Comment ce jeu va-t-il m'aider ?» Donc dans ce jeu, vous trouverez deux types de cartes.
Donc, comme je vous ai dit, les 14 cartes exercices. Et ensuite, vous avez les 36 cartes de ressources. Donc ici, nous avons les cartes exercices. Ensuite, ici, vous avez une petite liste d'émotions qui est représentée dans un tableau. Vous avez content, gai, en paix, aimant. Et voilà, vous avez toutes les listes des émotions. Content veut dire heureux, excité, joyeux, etc., etc. Et ensuite, nous passons à la deuxième partie de ce petit livret qui est les cartes ressources. Voilà. Donc par contre, je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas les illustrations des cartes dans ce bouquin. Voilà, maintenant passons au jeu. Alors, les cartes sont assez grandes. Elles glissent bien entre elles. Ici, vous avez le contour des cartes dorées. Alors, je vais vous commencer par les 14 cartes exercices. Voilà. Donc, qui est représenté par ce dos. Toujours dans les couleurs pastel, douces, très jolies. Et les cartes de ressources sont représentées par cette couleur. Plutôt dans le bleu, rose, violet. Et ici, dans les tons plus verts, orangés. Voilà. Alors ici, vous avez... Utilisez le pouvoir de l'intention. J'ai un peu de place. J'espère que vous voyez bien les cartes. Acceptez sa responsabilité. Reconnaître ses blessures. Prendre sa décision et se libérer de ses blessures. Se donner la permission de guérir. Connecter son histoire. Connecter ses émotions. Reconnaître et honorer ses besoins. Décider de son identité. Sentir le déclic, la prise de conscience. Changer sa perspective. Pardon, changer de perspective. Intégrer sa nouvelle identité. Célébrer ses progrès. Prendre soin de son enfant intérieur. Voilà pour ce qui est des 14 cartes exercices. Maintenant, nous allons passer aux cartes... aux cartes d'émotion. Alors ici, vous avez l'intention. De ressources, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit émotion. Alors ensuite, vous avez la décision, la permission, c'est vraiment des couleurs très douces, magnifiques, très jolies. Ici, nous avons la responsabilité,
la co-création. Vous êtes innocent. L'engagement. La plus grande partie de vous est intacte. Vous êtes bon par nature. L'accueil. Honorez votre histoire. Acceptez vos émotions. Elle est très rigolote, celle-là, avec une autruche dans la terre. Sa tête dans la terre, ouais. Traversez. Ensuite, vous avez la magie des besoins. Qui êtes-vous ? Très belle représentation aussi, qui est représentée par des masques. La grâce, celle-ci est très jolie. La prise de conscience. Accepter ce qui est. Décidez qui vous choisissez d'être. Créez de nouvelles perspectives. Réinventez-vous. L'enfant intérieur. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même, représentée par une rose. Créez vos parents intérieurs. La confiance dans la vie. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Gratitude et célébration. Le déni. L'indécision. La déresponsabilisation. La culpabilité. Le doute, le rejet, la fuite, l'abandon. J'ai fait tomber une carte. Et c'est la dépendance, l'humiliation. Le masochisme, la trahison, le contrôle, l'injustice, la rigidité. L'identification avec vos blessures, la victime, les bénéfices secondaires. Ensuite, nous avons les auto-sabotages, la peur, le mental. Les croyances limitantes,
le désespoir, les excuses, l'évitement, c'est fini. Une bonne nouvelle pour vous, qui est représentée par un ange. Les répétitions. Alors, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Plénitude et bénédiction. L'amour et la réponse. Vous êtes plus gros, votre plus gros défi, pardon. Ensuite, nous avons la souffrance, l'abondance, représentée par une corne d'abondance, la mise au jour de vos croyances limitantes, et la dernière carte qui est la force est avec vous. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous tirer une carte, des cartes exercice et une des cartes de ressources. Alors, c'est parti. Bon, elles sont assez grandes, donc pour mélanger, c'est pas évident. Mais ça va, on glisse bien entre elles. Hein. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors. Et nous avons la carte qui est connecter ses émotions. Et c'est la carte 7. Alors, on vous dit, c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. En vous appuyant sur l'événement déclencheur de votre blessure, vous pouvez accéder au niveau suivant, qui est celui des émotions. Quand un enfant est blessé, il a besoin d'exprimer la douleur que l'événement qui vit lui cause. Parfois, l'exprimer une fois est suffisant. Mais à d'autres moments, il aura besoin de l'exprimer plusieurs fois. Et c'est la même chose pour l'adulte blessé. Que faire avec ses émotions? La première chose est d'être content de les ressentir. Pour moi, les blessures sont des ponts entre nous et notre être. Et les émotions sont la porte d'entrée. Nous sommes des êtres profondément émotionnels. Les émotions sont notre nature. Elles sont des forces de vie qui nous traversent constamment. Cependant, à cause de notre éducation, et notre culture, notre pays, nous sommes devenus, pour la plupart d'entre nous, soit des coincés émotionnels, soit des ignorants de cette nature que sont les émotions. Ce qui est paradoxal est que notre guérison en dépend. Donc, premièrement, connecter les émotions à partir d'un souvenir. Vous pouvez visualiser un souvenir douloureux de votre passé et tout simplement laisser les émotions qui l'accompagnent vous venir, en vous concentrant sur le ressenti corporel, soit ce que cette émotion vous fait dans le corps, une boule dans le ventre, dans la gorge, un poignard dans le dos, un déchirement dans la poitrine. Suivez le ressenti et ne partez pas dans vos pensées. C'est le seul risque de cet exercice. De partir dans le mental et de passer à côté d'une occasion de guérison. Plus le souvenir est lointain, mieux c'est. Mais si vous n'avez pas de souvenir ou pas de souvenir précis de vos blessures, partez dans des situations récentes qui vous ont provoqué des émotions qui sont encore vivaces en vous. Deuxièmement,
Connaissez les émotions, quand elles apparaissent, il y a ce qu'elles s'appellent les émotions orphelines, à savoir des émotions qui ne sont pas en apparence en lien avec un événement en particulier. J'ai des personnes qui me disent se réveiller tous les matins avec la peur au ventre, ou être souvent en colère sans raison, être poursuivie par une tristesse. Au lieu d'éviter ces émotions, je vous invite à les accueillir, elles sont très intéressantes, car elles reviennent pour être entendues et pour beaucoup d'entre vous, elles peuvent être de plus en plus fortes. Troisièmement, connaissez l'émotion, c'est-à-dire ressentez-la tout simplement, ressentez-la sans la perdre, laissez-la grandir dans votre corps. Et dans les deux cas, que cela soit des émotions que vous avez connectées à un souvenir ou des émotions seules, laissez l'émotion grandir dans votre corps. Détendez-vous tout en gardant votre concentration sur la sensation physique. S'il y a des larmes, une envie de taper, pardon, de crier, laissez faire. Rappelez-vous, votre corps sait comment se guérir. Vous le savez depuis toujours, laissez-le faire. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez envie de crier, allez-y. Donnez-vous la permission d'exprimer ce qui est bloqué en vous. Cela vous fera le plus grand bien. Quatrièmement, ressentir et accueillir et traverser. Le processus peut se définir par ces trois mots. Laissez l'émotion remonter, faites-lui confiance, c'est une amie. Laissez-la prendre toute la place dont elle a besoin dans votre corps. Accueillir ce qui arrive sans vous crisper, sans essayer de fuir par la force des choses, elle peut vous amener dans des endroits insoupçonnés en vous. Laissez faire, traverser vos émotions peut être un passage délicieux et délicat. Cinquièmement, continuez à vous relaxer. Si vous avez des pensées, laissez-les passer. Ne vous identifiez pas à elles. En revanche, ressentez la sensation dans votre corps et laissez-la s'exprimer. Les émotions ont un processus. Si vous le permettez, elles vont grandir jusqu'à ce que vous puissiez ressentir qu'elles enveloppent votre corps et parfois au-delà du corps, où elles arriveront à un point culminant pour commencer à se réduire, jusqu'à disparaître en laissant un grand soulagement. Certains d'entre vous ont accumulé des charges depuis tellement longtemps que ce processus peut être plus long et que vous aurez besoin de le répéter. Et ici, elle vous dit que vous pouvez vous aider avec cette grille d'émotions. Voilà, que je vous fais montrer. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la deuxième carte qui est les cartes ressources. Donc, c'est la carte l'humiliation, la carte 37. Alors, la carte 37, elle vous dit « À la source de la blessure d'humiliation, il y a l'irrespect de l'enfant de son corps. Au moment où il commence à se différencier de sa mère, ce qui va avoir par la suite plusieurs conséquences, parmi lesquelles des soucis pour prendre son envol et la soumission au regard des autres. La croyance qui découle de cette blessure est « Je ne suis pas digne ». Comment l'enfant n'a pas été respecté, il va avoir tendance à se protéger, souvent avec des kilos qui rembobent son corps. L'une des conséquences avec ces blessures, c'est la honte que ces personnes ressentent. La personne ne connaît pas ses limites, et si jamais elle les connaît, elle ne les respecte pas. Sa plus grande peur est la liberté, et elle a tendance à se sacrifier. Les humiliés font tout pour faire plaisir à leur ami, car ils espèrent que ces dernières leur donneront leur dignité perdue. Comment cela parle-t-il de vous? Que ressentez-vous en lisant cette carte? Quel comportement pouvez-vous répéter dans cette description? Si cette carte sort dans un tirage, c'est surtout pour vous inviter à reconnaître votre dignité et le fait qu'elle ne doit jamais être mise en doute. Avez-vous conscience de la valeur énorme que vous avez en tant qu'être? Cette carte vous rappelle que la personne la plus importante de l'univers est vous-même. Que vous avez besoin de vous donner cette importance. Cette carte met aussi l'attention de vos besoins, mais les connaissez-vous et respectez-vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les choisir de vous mettre en contact avec eux. Savoir de quoi j'ai besoin dans l'instant peut être un apprentissage libérateur dans votre vie. Vous le méritez.
choisissez-vous. Je suis la personne plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet oracle, s'il vous a plu et si vous souhaitez l'acquérir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.